Voilà, la jument était très sérieuse. Elle est rentrée directement et directement elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Elle rentre très droite. Tous les mouvements se sont plutôt bien passés. Je pense que voilà, j'avais aussi des consignes de faire bien ce qu'elle sait faire bien, mais aussi pas trop de prendre de risques, les trucs où elle est encore un petit peu fébrile. Et je pense que ça, on a plutôt bien fait. Voilà, c'est une jument que de 9 ans. Sur le dressage, elle a beaucoup progressé sur les 12 derniers mois. On a repris 5 étoiles en championnat, on est près de 27 quoi. Donc la jument a beaucoup progressé et elle a encore une grande marge de progression. Pour l'avenir, c'est quand même plutôt pas mal. L'objectif premier, c'est bien évidemment cette équipe. Peut-être dans les 5 à la fin du dressage, c'est pour nous une belle performance parce qu'on est bien dans les points, on est bien dans la course. On est déjà parti de plus loin que ça. Donc là, c'est quand même très rassurant, très encourageant et du tout, tout va se faire demain. Maintenant, voilà, moi, je vais mettre au service à 100% de l'équipe en partant à la fin en fonction de comment ça se passe. Alors le premier bilan après ces deux jours de dressage, moi je suis très satisfait des chevaux et des cavaliers. On voit le travail qu'ils ont effectué depuis le début de l'année. C'est très encourageant pour l'avenir. Ce qui est important justement, c'est pas tellement la place. Ce qui est important, c'est les écarts avec les premières équipes. C'est ça qui est important. Parce qu'ensuite, il y a un cross très difficile. Je pense que le chrono va avoir une grosse importance. Donc quand on est collé justement aux premières équipes, ça c'est super.